Beaubourg ce matin sur Beauvais, dans les espaces de l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais, pour l'accueil des près de 600 participants du rassemblement de fondation de la fraternité éducative La Salle. Près de 600 participants donc, venus des œuvres de l'ensemble du réseau La Salle France, qu'ils soient frères, chefs d'établissement, enseignants, éducateurs, secrétaires, représentants des OGEC ou des APEL. Nous leur avons demandé, dès leur arrivée, ce qu'ils attendaient de ces trois jours de rencontres, d'échanges, de partage. Je sais pas, on est très engagés dans l'établissement au niveau lassalien. On fait partie de l'équipe lassalienne, donc on vient chercher un petit peu de ressourcement, entre autres, ici. Et puis on va voir si on va plus loin par la suite, éventuellement, dans un pas de plus vers une fraternité. Que la mission lassalienne soit prise en charge et soit assurée par cette fraternité. Pour l'Église et pour les jeunes. Je me sens complètement intégré dans une communauté et vérifier la réalité de cette implication et puis de cet engagement par rapport à d'autres, à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils connaissent. Très simplement, faire connaissance plus avec les autres personnes du réseau, échanger des idées peut-être aussi, voilà, pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et c'est l'occasion de rencontrer tout le réseau. Savoir qu'il y a 580 personnes aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je viens d'un établissement où la dévolution de tutelle est très récente, donc il n'y a pas la culture. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen de chercher comment importer la culture et rapprocher les établissements de la région de Haute-Savoie. De renforcer l'esprit de famille et de regarder ensemble dans la même direction.